Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment recevoir le planeur X-Wing gratuitement. Donc là, comme vous pouvez le voir dans la boutique, il est actuellement à 1200 V-Bucks, mais sachez que vous pouvez l'obtenir gratuitement. Donc tout simplement, il faut aller dans les actualités et là, ça vous dit comment tout simplement l'avoir gratuitement. Donc ça vous dit que vous pouvez obtenir le planeur X-Wing dans la boutique ou alors procurez-vous le jeu tout simplement Star Wars Squadron dans l'Epic Game Store et recevez gratuitement le planeur. Donc là du coup les gars, on se retrouve directement dans l'Epic Game Store et comme vous pouvez le voir juste ici, on a la petite pub qui s'affiche et ça nous dit bien que si on achète tout simplement le jeu Star Wars, on reçoit le planeur X-Wing gratuitement. Donc attention les gars, le jeu coûte 40 €, donc est-ce que c'est plus rentable de prendre le jeu pour avoir le planeur gratuit ou de l'acheter en boutique à 1200 V-Bucks? Parce que je vous précise que 1000 V-Bucks maintenant ça coûte 8 €, donc ça vous fait à peu près 10 € à payer pour un planeur dans la boutique, alors que là vous devez tout simplement acheter un jeu à 40 € pour recevoir le planeur. Alors certes il vous le donne gratuitement, mais vous avez quand même payé un jeu 40 €. Donc là on peut le voir, X-Wing de l'escadron avant-garde déverrouillé dans Fortnite. Donc on le reçoit vraiment gratuitement. Mais du coup moi les gars, je vous conseille, si vous achetez, enfin si vous comptez acheter le jeu Star Wars Squadron, c'est plus rentable de ne pas acheter le planeur, comme ça vous le recevrez gratuitement, directement dans votre inventaire une fois que vous aurez acheté le jeu. Par contre, si le jeu ne vous intéresse pas, c'est plus intéressant de l'acheter directement dans la boutique. Petite précision aussi les gars, très importante, c'est que vous ne recevrez ce planeur gratuitement dans votre jeu Fortnite que si vous achetez Star Wars Squadron depuis la boutique d'Epic Game Store. Donc la boutique que vous avez tout simplement dans le launcher, vous ne l'obtiendrez pas si vous l'achetez autre part. Par exemple, si vous l'achetez sur un stand gaming, G2A, etc., vous ne recevrez pas le planeur. Pour recevoir le planeur, il faut vraiment bien l'acheter dans le launcher d'Epic Game. Sur ce les gars, comme d'habitude, le gameplay du planeur se trouve en fin de vidéo. Donc je vous fais la petite outro et ceux qui veulent voir à quoi ressemble le planeur tout simplement dans une game, etc., n'hésitez pas à regarder la fin de la vidéo. C'est tout simplement un petit gameplay non commenté de ma part. Donc comme ça vous pourrez voir, vous donner un petit avis, etc. N'hésitez pas aussi les gars à me dire ce que vous en pensez de ce planeur en commentaire. Est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Est-ce que vous comptez prendre le jeu pour le recevoir gratuitement ou est-ce que vous comptez plutôt l'acheter au prix de 1200 V-Bucks? Sur ce, comme d'habitude les gars, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.